fois, vous jouez avec un groupe où tout le monde se ressemble, tout le monde va à la même vitesse, parle de la même chose, aime les mêmes choses. C'est là où il y a une fadeur qui s'installe. On n'a pas de surprise, on peut pas se surprendre si on est tous clonés, quoi. J'ai l'impression d'avoir un jouet dans les mains, ça me donne une autre liberté, une sorte d'impression d'être en dedans, dans un œuf, et en même temps, des ailes me poussent, le son passe derrière, oups, s'écartent comme ça, comme des ailes qui se déploient. J'ai pas envie de cette fierté de la trompette. Il était un peu comme ça, Don Cherry, Miles c'est un petit peu comme ça, il y a pas mal de mecs qui étaient comme ça, Armstrong qui était comme ça, mais c'était pour la photo. Essayer de soulever le plus haut pour que ça tienne comme ça. Bizarre. Faut des fois jouer plus fort pour qu'on ait l'impression que ça reste en fait la même densité. Tu vois. Comme quand tu envoies ton air. Il se passe non pas ça, mais il se passe ça dans ta tête. Sinon tu crèves, tu meurs. Il faut soutenir, donc il faut donner plus encore à la fin d'énergie. En oubliant la douleur, en oubliant... Que tu es en train de perdre quelque chose et tout. C'est extrêmement relatif tout ça. Je me dessine pas mal d'images mentales pour chanter fort, vite et haut, par exemple, pour tenir pendant un quart d'heure sur un tempo complètement incroyable, des phrases, des émotions qui peuvent vite se dégonfler, quoi. Essayer de trouver une force, la puissance qui permet de monter chaque palier à chaque cycle de jeu, à chaque moment. C'est pas facile. De sax, tu peux pas les jouer facilement avec la trompette. Donc, tu acceptes le décalage, tu acceptes ce swing. Deux notes se frottent. Il y en a qui fait précisément, l'autre fait. C'est l'écriture. Comme deux pierres. C'est ça qui donne la chaleur. C'est pas ça qui donne la chaleur. Ça, c'est pas ça la chaleur. C'est pas le mimétisme. C'est ça. Et qui fait que. Ça donne une émotion formidable.